Bonjour à tous et bienvenue pour le 13e épisode d'Ocarina of Time. Donc, on se retrouve au village Kokiri qui est un petit peu changé. Un petit peu. Toujours ces petites saloperies. Donc, direction le temple de la forêt qui est là-haut, je crois. Ouais. Ben, à l'endroit où on avait été voir Saria. Oui, mais ce n'est plus du chemin. Alors, par contre. Voilà. Parce que. Autant se servir du grappin vu qu'on en a là. On l'a. On avait quoi de l'autre côté? Je sais plus. Mais c'est pas là. Attends, fais-moi voir ce qu'on a comme équipement. Ah, tu parles d'équipement. Ça c'est les pour le petit quand on est petit qu'on peut pas utiliser. Ouais. Les noix de toute façon. Bon, j'utilise jamais trop les noix en fait moi. Les noix? Ben non, moi non plus. Alors. Pourtant c'est vraiment utile les noix. Là en bas, on peut gagner un quart de cœur. Ah bon. Je les mets au courant. Ok, je me suis gouré le son. Et là, ils sont plus vaches parce que le son n'a pas diminué. Donc en fait, il faut vraiment se souvenir du chemin par cœur. Bah là, je me souvenais un petit peu de cela. Donc vu que c'était pas à gauche, on va aller tout droit. Ça à droite. Tout droit, c'est la caverne des Gorons. C'est à gauche. Oui. Ah, oh, fumier. Encore là, ce petit trou du cul. Alors là, pour remarquer qu'il y a un petit problème, hein. Il ça a fait pas 7... grandi. Voilà, ça fait 7 ans. Nous, on grandit, mais pas lui. Pourquoi? Bah, vous serez dans beaucoup d'épisodes. Parce qu'il faut faire pas mal de donjons avant de... Qu'est-ce que je dois faire? Je dois jouer à Saria, c'est ça? Je pense... que c'est à la fin de celui-là. Hein. Voilà. C'est à la fin de celui-là, ce donjon-là, hein, je crois. De quoi? Qu'on sait pourquoi ils n'ont pas grandi. Parce que ce sont des Kokiri, oui, mais puisque... pourquoi nous on a grandi, ça je sais pas. Hein? Pourquoi eux ils sont pas grandi? Oui, on sait pourquoi, mais pourquoi nous on a grandi, on sait pas encore, je crois. Ouais, mais on va le savoir. Puisque. C'est qui là qu'on va sauver? Bon, on va pas le dire, mais c'est qui qu'on va sauver? Oui, je sais très bien. Donc voilà. Mais. C'est quelle direction? Voilà, on va aller tout droit. Quoi? C'est bon. Alors, pour la plupart, je vous préviens, pour la plupart des sages. Les sages qu'on va rencontrer, ce sont des personnages qu'on connaît. Hein. Sauf une. Un, je crois. Sauf un. Un seul. Qu'on n'a pas encore rencontré, mais qu'on rencontrera très vite. Alors là, j'essaie de. Voilà, c'est pour ça que j'ai été tout doucement, c'était pour essayer de trouver le chemin. C'est pas où. C'était à droite, je crois. Oh, fais chier. Ah, j'ai horreur de ce labyrinthe. Bon, bah, on va essayer de s'en sortir, hein. Courage! À droite. Ouais, là je connais celui-là, mais c'est après que je sais plus. À gauche. En haut. Oh, en bas, c'est ce que je pensais. Alors là. C'est à gauche. C'est à gauche, oui. Non, c'était à droite en fait. C'était à droite. Donc tout droit. Non, bah non, c'était tout droit. C'était tout droit. Donc non, c'est après que t'as été tout droit, je crois que c'est à droite. On va bien finir par s'en sortir, hein. Ouais. Bon, j'espère. Bah, encore un épisode spécial fail, hein. C'est pas moi cette fois. Hein. Non, mais je me suis toujours paumé dans ce truc-là. Ouais, ouais. Parce qu'avant, là, on pouvait se fier au son, mais là, le son est toujours le même. Pardon pour les bâillements. Dis tout de suite que tu te fais chier. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas à droite non plus. Putain. J'étais à gauche, t'es pas à gauche, j'étais à droite, c'est pas à droite, alors c'est pas où? Tout droit, encore une fois. Essaye tout droit. Ouais. Parce que j'ai déjà été tout droit, donc ça ferait deux fois tout droit, ça ferait ça un peu bizarre. Non, c'est à gauche après que t'as été tout droit. Et après à droite. Ben c'est là où t'as dit en fait que c'était pas par là quoi.
Ouais, apparemment. Ah, j'entends un scutu là. Non, non, c'est pas là. Ah, t'as pas été tout droit tout à l'heure. J'entends un scutu là quand même. Ouais, mais on la trouve pas. Elle doit être buggée celle-là parce que j'ai jamais trouvé. Je sais jamais. Essaye de te cogner contre l'arbre. Ah, celle-là, tu peux la chercher. Hein. Pourtant, je l'entends, hein, je suis pas. Essaye de monter, tu peux peut-être monter à l'arbre avec le grappin, non? Oui, on peut monter à l'arbre, sûrement, mais. Non. Non. Bon, bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave, vous savez qu'il y a une sculpture là, là dans le coin. J'entends le son vers la droite. Ouais, ouais, je l'entends. Enfin, on l'entend dans l'herbe, là, dans le petit. Pas bon, bien. Alors, non, à gauche, ouais. Faut aller tout droit, je crois. Alors, et là, essaye d'aller à gauche. J'ai été à gauche, ça a foiré. À droite, t'as été. Ah, ça c'est clair. À droite, va à droite. Vas-y, va à droite, va à droite. Ouais, non, mais ça va pas pour... s'éclairer. Ça va pas s'éclairer puisque tu dois passer dans une nouvelle zone. C'est bon. Voilà. Donc, vous reconnaissez ici, vu qu'on attention. Oui, je t'inquiète pas, je m'en souviens. Parce que eux ici, ils sont relous, hein, vraiment. Oui, je sais, relous. Mais il faut que je fonce quand même. Ah ouais, je sais. Donc, oui, t'inquiète pas, je connais. J'ai dit que jusqu'au temple de la forêt, ça va. C'est après que ça. Ça part en vrille où je me souviens de que dalle, quasiment. Parce que je l'ai fait qu'une seule fois à ce moment-là. Allez, suite. Merci. Alors, comme je disais, on est. Voilà, vous avez vu, j'ai fait exprès, hein, c'est pour vous montrer. Hein. Non mais c'est bon, tu peux me laisser monter quand même. C'est bon, non, non, monte pas. Tu dois le laisser faire demi-tour. Mais putain, non, non, il va te buter. Hein, oui, mais je suis pas monté, il est monté tout seul. Parce que je reste en plein milieu de l'eau, hein, c'est pas grave. C'était pour la caméra en fait que j'ai tourné. Mais... Ouais. Alors vous voyez que ça a fort changé depuis la dernière fois. Ouais, voilà, c'est bon, puis allez. Ce qui est chiant ici dans la version, vas-y, tue-le avec le grappin. On peut tuer le grappin. Ouais, ouais, dans le dos. Dans le dos. Merde, c'est pas ça, c'est le bouton bleu. Voilà. C'est comme ça que tu dois les avoir, ceux-là. Je les ai jamais tués en fait. On va merde. Dire que dans la 3DS, on est un peu obligé de les buter. Je crois que tu vas crever, toi. Bah non, j'ai voulu le faire le truc, ça n'a pas marché. Dans la version 3DS, on est un peu obligé de les buter parce que à chaque fois qu'ils viennent nous taper, ils remarchent vers nous, donc c'est une perte de temps. Putain, mais phénoménal. Je vois rien avec ce. Bah reste dans le coin, reste dans le coin, tu vas pas te toucher. Si oui, je sais, mais il faut que je le vois quand même quand est-ce qu'il se passe. Tu sais bouger avec le grappin, si tu... Oui, mais je cherche pas à le tuer, j'ai jamais réussi. Je les ai jamais tués, c'est pas maintenant que je commence à le faire. Bah fais-le, tu vas... T'auras moins de fail, hein. Hop là. Putain. C'est la première fois où je m'en prends plein la tête, hein. D'habitude je m'en prends jamais. Hein. Je l'ai pas vu. Tu vas mourir, hein. Tu vas gaspiller une fée pour rien. Pas grave. On était censé les garder. Je suis pas encore mort. Et tu t'es fait, t'as non, j'ai fait exprès. Mauvais moment. Ouais, mais j'ai fait exprès. Pour qu'il puisse se barrer et laisser le chemin libre. Pas par là. Si. Ah, ça part à droite. Putain, qu'on s'en fait saouler, ce connard. Non, c'était de l'autre côté. Là, tu retournes au même endroit, hein, juste comme ça. Oh non, normalement, je viens. Si tu tournes à droite, ici, tu retournes au même endroit. On va vérifier. J'ai un souvenir ou c'est par là. Ah putain, comment ça. C'est y a pas une carte. Si, bah j'ai raison. Tu vois, j'ai bien raison. Regarde la carte. J'ai bien été dans la bonne direction. J'utilise une direction bizarre. La flèche rouge indique là où on atterrit. Ah ouais, là où on vient. Je sais, je sais. Donc, mais moi j'ai l'habitude de passer. En fait, tu vois, je fais le S comme ça. Et après, je passe sur la droite. Bon, pas sur la gauche, ça vient bien. Ouais, ouais, mais. Enfin, je sais pas, ça me fait bizarre. Bute-le, hein, t'auras peut-être des cœurs.
toute façon il passe, hein, autant utiliser le grappin. Ou en traître. Voilà, et tu vois je ne suis pas mort. Attention à droite, il y en a peut-être un. Oh non. Là. Ici un gars. Tu dois aller jusqu'à lui pour taper. Hein? Il frappe un peu comme ça, tu dois éviter les trucs et aller jusqu'à lui pour le frapper. Voilà. Un gros molosse comme ça qui meurt en quelques coups d'épée. Bah c'est déjà l'autre, le grappin il meurt en un coup, attends c'est une petite piqûre hein. Ouais. Plein de thunes. Ça fait du bien, hein. Un petit rubis qui donne 20 pièces, voilà. Enfin 20 rubis. Donc vous reconnaissez sûrement cet endroit. C'est ici où on avait été voir Saria. Et c'est ici qu'on va rencontrer de nouveau un personnage que vous connaissez maintenant. Ah, que de souvenirs. Et oui, parce que Check, c'est un ninja. Exactement. Salut, comment que tu vas? Il va nous donner le champ en fait qui va pouvoir nous téléporter ici au donjon de la forêt des bois. Ces chances là je m'en suis quasiment jamais servi. Moi aussi. C'est juste pour faire beau hein. Ah je me souviens de cette musique là. Ouais je m'en souviens aussi. Allez. Ce qu'il y a de bien aussi vis-à-vis de l'Ocarina dans la version 3DS, c'est que en fait t'as un bouton pour ouvrir les champs quand t'as l'Ocarina. Donc en fait tu peux jouer, tu peux regarder les champs en même temps que tu joues. Ah, tu ça, peux te voir la partition quoi. Ouais, tu peux regarder la partition et ouais. Pouvoir jouer. Là c'est un ça, peu plus... Là il faut vraiment se souvenir des champs quoi. Et ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on va atterrir devant un nouveau donjon, il y aura Check qui va arriver et on aura droit toujours à un petit petit concert avec un mélange d'ocarina et de d'art et de la musique quoi. Et de la musique d'origine. Et nous revoilà. Alors, vous voyez ici l'utilité du grappin. S'il veut bien l'utiliser, je pensais que c'était assez trop. Pourtant, je suis dessus là. Ah oh, putain. C'est vraiment au pixel près là. Rapproche-toi, rapproche-toi. Non, je l'ai vu. Regarde. Oh. Mais non, pas croix. Croix. Start. Voilà. L'utilité du grappin. Et nous voilà dans le quatrième donjon. On va commencer ici. Ah ah. Les petits loups. C'est plus le bouton pour... Voilà, c'est ça. Les petits loups-garous. Ça me fait penser un peu à Skyrim, hein. Oui. On a un peu... Un tout petit peu moins bien fait. Bah, pour l'époque, c'était extrêmement bien fait. Ah ouais, carrément. Même encore maintenant... Je ne me moque pas. Je me dirais, c'est dans Skyrim, j'ai jamais réussi à trouver un seul loup-garou. C'est clair que dans la nature, j'en ai jamais rencontré non plus. J'ai trouvé dans une grotte, mais j'ai débuté. Ouais, j'en ai rencontré dans des grottes aussi, bah dans une grotte pour... Enfin bref, on parle pas de Skyrim là. Non, non, du tout. Ah, j'aime pas la musique de ce donjon. C'est pas le thème, justement? Non, non, du tout. Ah non, le thème, ça aurait été beau. Ouais. C'est du bruit, un peu... Dwi, 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 dwi. C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'ont pas mis les thèmes des donjons en arrière, en musique. Ah, si, je me souviens de cette musique. En face de ce côté. Ouais, ah, voilà, c'est tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, si tu me fais tomber dans le vide, je te frappe. Je te frappe. Aïe. Vous voyez un peu la violence du Shit Gamer. C'est pas toi que je voulais frapper, c'était Link.
Allez, vas-y. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai fait ce donjon-là, je me suis paumé, j'ai tourné en rond pendant des heures, Ah des ouais, heures. moi aussi, hein, Pourquoi? Non puisque mais. la première fois qu'on le fait, on comprend pas Ouais, mais pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas repéré la clé. ce coffre ici qui est à l'entrée. Parce que pour moi, ici, c'était, ça faisait pas partie du donjon. Pour moi, le donjon, c'est dans la porte là. Mais non, ici, ça fait partie du donjon. Et c'est là que j'ai fait. On a Il y absolument a besoin quelque de chose cette de. clé-là. Ah, c'est la clé d'entrée, hein, tout simplement. Donc maintenant, il y a des C'est petites un clés. peu, en gros, c'est un peu pour expliquer Ah, mais non, ce que je veux que. dire, c'est que j'avais quasiment fini tout le jeu. Mais merde. Demi-tour. Fail. Non, ça va, c'est pas grand. Gros, gros face. Ça, si j'étais tombé encore après, oui. C'est quand. Bon, les loups, salut. Tu vois, t'as pas besoin de clé pour ouvrir la porte là. Ouais, non, mais c'est Mais pour c'est. après. C'est pour Voilà. après. C'est juste les portes, une ou deux portes après. Pour ça, c'est bien les grappins. T'es pas obligé d'attendre qu'elles se retournent. Bah, ni qu'elle descende. Merci pour le Voilà. cœur, c'est un plaisir. Alors maintenant, voici l'objectif de ce donjon, parce que c'est maintenant qu'on se rend compte. Tada! Il faut retrouver ces quatre petites flammes qui font bien chier. Et qui sont. Je pense que c'est le mini-boss après. Hein, le mini-boss du donjon. Je me souviens plus du boss. Si, si. Pour pouvoir en fait faire remonter cet ascenseur à la con. Ouais. Alors, il y en a, je vais dire un dans chaque direction, mais en fait c'est pas vraiment ça. Donc on commence par où? Non, il y en a un. Je crois qu'on doit. On va commencer tout de suite là à gauche, non? Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, si on peut y aller, bien Ouais. sûr. Bon, Et une clé. De toute la clé que j'ai pourra me servir ici. Sésame, ouvre-toi. façon, dans ce donjon, on fait que des allers-retours pour chercher des clés. C'est simple. C'est que ça, hein. Un petit cœur. Radin. Vilaine araignée. Maman araignée sera pas contente. Eux aussi sont bien chiants, hein, je trouve. Jamais pas. C'est pas qu'ils sont durs à battre, hein, mais Non, ils sont relous. Oui, ouais, je me souviens d'ici, il faut l'arc. Ah là là. Non, non, pas l'arc. Puisqu'on n'a pas l'arc dans ce donjon. Si. On le récupère dedans, je crois. C'est dans ce donjon-là qu'on a l'arc. Ouais. Vu que monsieur du boss Nelson, regarde, il y a des flèches peintes sur le sol. Merci. En gros, c'est voilà la solution. Ouais. Très brave, Navi. Donc on s'excuse de ce moment un petit peu long à pousser les gros. Bloc. D'ailleurs, t'as vu la force du mec quand même, hein? T'as Bah après tu me diras, dans Tomb Raider c'était pas mieux, hein, donc. Oui, mais bon. Alors, je sais pas s'il y a un truc intéressant ici ou un mini coffre ou quelque chose. Non. Non, je crois qu'il faut continuer à pousser le bloc, Ouais, je non? sais, mais je voulais regarder s'il y avait un petit coffre, une petite clé ou un truc comme ça. Parce que c'est dans ce genre d'endroit où il y a Ouais. des clés, hein. Dans les petits endroits où tu te dis, oh, il y aura rien. Voilà, et c'est pour ça qu'après quand on tourne en Tu rond dois prendre. sauter au-dessus, je crois. Ah, c'est ça, tu dois sauter Je au-dessus. peux pas aller au-dessus. Tu peux pas sauter au-dessus? Non. Mmh. Faut que. Peut-être que je contourne le truc. Ça doit être ça. Non, tu devais le laisser pour le pousser, je crois. Bon, c'est pas grave, va voir vite fait, on sait jamais. Où ça là? Voilà, à droite. Elle est placée une entrée. Voilà. Ah ouais, ok. Bon, ok. Ben, je me souviens plus du donjon par cœur, il est chiant celui-là. Ouais, je n'ai rien dit. Il y a une échelle. Ouais. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Voilà. Je crois qu'après avoir poussé, il faudra monter l'échelle. Je suis pas sûr. Je sais Je crois plus. que ces blocs en question, c'est une aide pour pouvoir remonter plus vite. Sincèrement, je m'en rappelle pas. Là, tu peux monter. Faut croire que si. Non, parce qu'il n'y avait pas le truc. Ouais. Voilà. Alors. Yo! Ah non, je crois que c'était un saut. J'ai mal vu. Alors, On dirait. des flèches.
Laisse-le au milieu, lui. On sait jamais pour le moment. De toute façon, t'as pas trop le choix. Ouais. Tu te fais aplatir. Par où il faut aller, faut... Bah, par l'échelle. Ah, bah ouais. L'échelle qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. Logiquement. Donc on se souvient plus des donjons par cœur, hein. C'est pour ça qu'on... Bon, on redécouvre en même temps que nous. Ah, c'est sûr que là, c'est de la redécouverte. Les premiers donjons, ça allait, mais là, ça commence déjà à être un peu plus... Ouais, là, ça va se corser. Difficile. Alors, gauche-droite, on va commencer à droite. Alors, elle va, continue jusqu'au bout, on sait jamais. Ouais, t'as raison, il y a l'arc. Essaye avec le grappin, non? Oh non, ça marche pas, c'est l'arc. Ok. Non, là, tu redescends. C'était à droite, là, tout de suite. À gauche. À gauche, y'a rien. Oui, mais le problème, c'est qu'à droite... Voilà, tu peux remonter. Bah, à droite, c'est là où on a été, vous l'avez vu. Non, mais il y en avait un autre, hein. L'échelle? Ouais, ouais. Ah bon? Enfin, non, pas une échelle, il y avait un autre passage. Vas-y, retourne, monte à l'échelle. La recherche, le paumé, elle est là. Monte, 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 monte. Alors, c'est vraiment ce donjon-là, c'est vraiment du. On tourne en rond, on tourne en rond, voilà, on tourne en rond, on va dans les mêmes. À droite, tout de suite là. Non, avant, juste avant. Ah ouais. Regarde, voilà. Et on va dans les salles qu'on connaît. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, on va retourner dans les mêmes salles pendant longtemps, longtemps, longtemps. Ouais. Surtout si on est paumé. Là, va. Non, pas par là, de l'autre côté. Bah, si, je remonte avec le. Ouais, bah, attends, on va voir de l'autre côté. Non, non, t'inquiète pas. J'en suis sûr. Je vais te comprendre pourquoi. Ouais, peut-être. Parce que c'est justement là où il faut le mettre. Ouais, c'est vrai. Alors, cette musique, je m'en souviens. Elle m'a marqué. Ouais. Parce que j'ai entendu pendant des heures et des heures et des heures. Parce que ça, c'est un des premiers donjons. Je tournais en rond pendant vraiment longtemps. C'est l'un des plus chiants à faire, je crois. Ouais, le plus chiant. Quand même, le plus chiant reste le mythique. Temple de l'eau que tout le monde connaît. Ouais. Ah, il y en avait un qui fait ouais, tu verras dans Twilight Princess, c'est le retour de Temple de l'eau et ça n'aura jamais battu le Temple de l'eau de celui-là. Hein. Niveau difficulté, hein, niveau. Waouh. Il est vraiment chiant à faire. Mais il peut être fun quand même. Hein. C'est un nouvel univers. Une batte, c'est le prix. 10 quand il retombe. Connard! Putain, attends, tu vas pas dire que je frappe pas là. Je suis en train de me dire qu'on peut pas passer par là vu qu'on n'a pas l'arc. Mais il me semble qu'on peut faire quelque chose hein, avec ses yeux. Essaye quand même, on sait jamais au pire des cas si tu perds ton temps quoi, c'est tout. Mais comme on y est, il faut une clé. Il faut une clé tout simplement. On n'a pas de clé. Faudra aller en chercher une. Et on n'a pas l'arc. Ouais, il faut l'arc. Ah, c'est pas le couloir qui est tout tordu. Si je crois qu'on... Ouais, donc en fait, on a fait tout ça pour... Bah, on a pris de l'avance pour plus tard. Mais on n'a pas pris la bonne direction. Mais pas mal. C'est déjà ça te fait. Bon, là, t'as mal, par contre. Bah non, qu'est-ce que tu racontes? Comment... Non, non. C'est bon, bah, de toute façon, on est obligé de repartir. Ouais. C'est porte. Pour quand ce sera tordu, ça, je crois. Je pense pas ça. Je crois pas que c'était ça. On verra, de toute façon. De toute façon, on réfléchit plus qu'autre chose. Les premiers, c'était plus du... on savait ce qu'il y avait, mais là... Ouais, ouais. Ça va être autre chose. D'ailleurs, je crois qu'on va arrêter cet épisode ici et on va continuer le donjon juste après. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes, hein, Exalombre et JtGamer, bien sûr. Et on vous dit à un prochain épisode pour la suite de ce temple. Bye tout le monde. Salut.